Auriez-vous l'obligation de me passer le poivre, s'il vous plaît? Bien sûr, très cher. Auriez-vous l'obligeance? L'obligeance, excusez-moi. Auriez-vous l'obligeance de me passer le sel? On est dans la cuisine, on est tous en train de manger, et là, Dania décide de nous apprendre les bonnes manières. Je leur apprends plusieurs formules, plusieurs façons de s'exprimer durant la soirée. J'ai l'impression qu'il y a un air très Louis XIV dans la cuisine. Plais-tu? Non. Est-ce énervant? Oui. Donc? Je veux dire quoi? Veuillez cesser de m'importuner. Veuillez cesser de m'importuner. Très bien. Ça ne va bien. L'amabilité, ça se fait pas trop. L'amabilité, oui. Pour moi, c'est normal, quoi. Depuis des années. Donc, c'est clair que ça, j'ai même pas envie de le changer parce que ça fait ma personnalité. Comment tu dirais for the good, que ça? Pour le plaisir du palais. Pour le plaisir du pain. Le palais. On décide de parler en mode haute bourgeoisie avec Dania. Moi, Chana, on rigole. Thibaut et moi, on rigole. Vous pouvez passer le sel, hein, s'il vous plaît. Auriez-vous l'obligeance de me passer le sel? Auriez-vous l'obligeance de me passer le sel? Vous allez parler comme ça toute la soirée? Hein? Vous allez parler comme ça toute la soirée? Non, mais c'est un petit délire, j'aime bien. Tu vas faire un effort, toi aussi? Non, merci. Anaïs est vraiment saoulée de Dania. Je sais pas ce qui se passe, mais Anaïs a le somme contre Dania. Donc Anaïs ne la calcule même pas. Moi, ça me saoule. Voilà, je parle comme je parle. Je vais pas m'inventer une vie ou me donner des bonnes manières parce que je ne sais pas le faire. Oui, je dis des gros mots parfois et j'assume. One day or another, I'm gonna find you. I'm gonna get you. C'est la chanson pour qui, ça? C'est la Gordon. Non, c'est la mienne. Pour Gordon. Ça, c'était l'époque. Ça, c'était l'époque où tu te lâchais, que tu montais sur les comptoirs. J'ai l'impression que je peux pas monter sur les comptoirs, y a aucun problème. Tu vois, je peux monter sur les comptoirs, je peux m'agiter, y a aucun problème. Tout le monde me dit que je suis coincée, et je suis pas coincée des fesses. Je suis pas coincée du Thibaut. Je suis pas coincée du. Et là, je remonte ma jupe. Je sais pas pourquoi je fais ça en fait. Tout le monde choqué, Dania est montée sur la table et a montré ses fesses. Attends, elle va me montrer son. Vous avez vu? Franchement, ça commence à me gonfler. Thibaut, c'est mon chéri, il y a des choses que tu fais qu'au bout d'un moment, c'est même pas une question de jalousie, c'est une question de respect, ça commence à me gonfler. Donc c'est là, montée, sans s'en branle. Si elle est coincée ou pas? Ça va rien. J'ai pas envie d'écouter ce qu'elle raconte, c'est bonne manière. Je m'en fous complètement. Donc merci, au revoir, reste à l'habitat, je sors et je vous laisse tranquille dans votre délire. C'est pas du tout le mien. T'as besoin de souffler un peu? Oh, le délire débile comme ça, ça me fait pas du tout mon truc, désolé. J'arrive pas à me forcer. C'est qu'à son délire, bébé, on s'en bat les couilles. C'est pour ça que je me force pas, je m'en vais. Je me retrouve avec Eddie sur la terrasse, il me demande pourquoi j'ai quitté la cuisine et je lui explique. Voilà, moi c'est pas mon délire. Je peux pas me forcer, si vous ça vous fait rire, tant mieux pour vous. Moi elle ne me fait pas rire. Voilà, et je suis pas une hypocrite. Ouais, c'est bon, les gens qui essaient d'inventer n'importe quoi pour exister, ça me saoule en fait. C'est tout surjoué. T'as pas personnalité, t'as besoin de monter sur une table, montrer ton pour dire j'ai une personnalité, ça moi aussi. Ça fait de la peine, justement. Moi, ça me fait pas de peine. Voilà. Anaïs ne comprend pas du tout Dania. Et là, en l'occurrence, Anaïs croit que Dania est fausse. Après, j'essaie d'expliquer à Anaïs que. Après, on peut pas la connaître réellement, donc ça se trouve que c'est juste au bout d'un mois et demi qu'elle essaie de vraiment de se lâcher. C'est pas mon délire. Comme on dit, chacun son dièse.